fuck eux, là. On prenne pas, là, je vais pas payer, là. T'as allé louer le Uncharted là. Bah je le vois. Dans Fortnite, ils ont rajouté un mode encore comme Battleground, genre comme Modern Wars dans Grand Theft aussi, genre tu descends dans la map, puis tu ramasses du loot, puis c'est le dernier qui survit. Genre. Quoi? Tu ouais. Niaises. Non. Oh, mais c'est parce que ce jeu-là est tellement vendu que même, dis-toi, même Grand, comment ça s'appelle, Call of Duty, Battlefield, plein de jeux vont imiter ce mode de jeu-là. Yo, c'est un jeu indépendant sur ordinateur. Puis c'est juste un mod, puis le mod il a vendu 10 millions de copies depuis qu'il est sorti. Il y a aucun, puis c'est un jeu indépendant, il y a aucun jeu qui a fait ça. Fait que tu sais, le monde c'est tu compagnie. Lequel? Battleground. Tu parles de Fortnite? Non. Ah. Parle de Battleground. Ah, okay. H1Z1. Ouais ouais. Attends, mais H1Z1 c'est la même chose que Battleground ou c'est deux compagnies différentes, c'est pas la même chose? C'est un mode de jeu. H1Z1 c'est le jeu, puis Battleground c'est un mode ouais. De jeu. Ok, mais ça fait quand même partie du jeu. C'est un mode de jeu. C'est quoi un mode? C'est le jeu que quelqu'un il modifie. Genre comme dans Grand Theft Auto, les modes RP, puis ça reste le même jeu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un mode de jeu. Ok, ouais, c'est bon, ok, ouais. C'est juste le mode. Je parle même pas de H1Z1, il a vendu genre, il a vendu comme 2-3 millions de copies. Mais le mode de jeu il est tellement. C'est comme Dota aussi. Dota puis League of Legends, c'est la même affaire. Dota, c'est un mode de jeu de League of Legends qui a tellement été populaire qu'il est devenu un jeu tout seul. Comment je veux dire? Ouais. Fait que c'est exactement c'est la même affaire. Fait que là... Mais c'est ça, mais c'est une modification. C'est juste ça l'affaire, c'est que ça reste quand même le même jeu, mais juste qu'ils ont rajouté des affaires ou ils ont modifié des affaires qui font en sorte ben que le jeu est c'est meilleur les règles. Que l'original. C'est les règles, c'est... Non, c'est juste un mode genre qui différencie. Ils ont pas modifié le jeu, c'est juste qu'ils ont rajouté un mode. Comme dans H1Z1, tu descends pas en parachute, genre t'es là, tu commences ta vie, comme un RPG, genre tu comprends ce que je veux dire. Mais le mode, c'est du PVP, King of the Hill, genre tout le monde contre tout le monde, là, Battle, Royal Rumble style, là. C'est un mode de jeu. Et le mode de jeu est tellement rendu populaire, Fortnite, un petit jeu de marde. Ils utilisent. Puis c'est quoi l'autre jeu? Grand Theft Auto aussi, ils ont volé shit. Puis il y a d'autres jeux aussi moins populaires. Dans le sens Grand Theft Auto, il y a quand même. Tu sais, je veux dire. Ils peuvent voler ce concept-là parce qu'évidemment, il n'y a pas de brevet ou quoi que ce soit. Puis en même temps, on s'entend que GTA, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec tout l'argent qu'ils ont, tu sais. Non, mais le donc, brevet. Eux, on le doit. Mais Fortnite, pour Fortnite qui fasse ça, c'est quand même. C'est inusité parce que. À quoi ça sert? Non, Fortnite, non, mais c'est ils peuvent faire. De jeu, dans tous les jeux, genre, tu sais, comme FIFA, par exemple, FIFA, ils ont inventé le draft pick, là. Mais dans 2K, ouais, dans 2K, il y a aussi le draft pick, mais ça s'appelle pas draft pick. S'ils l'appellent draft pick, là, il va avoir des poursuites judiciaires, tout. Ouais, ils ouais, peuvent ouais, utiliser ouais. Le même jeu, mais ils peuvent pas le nommer pareil. Comme Clash of Clans, puis d'autres jeux de merde, genre, tu sais, Clash of Clans, ils ont inventé le shit. Ouais. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. Mais c'est sur ça que j'insiste. C'est que GTA, ils ont le droit de le faire parce que c'est un jeu de guerre. Tu sais, Fortnite, c'est pas un jeu de guerre. Fortnite, c'est une affaire d'entraide où est-ce qu'il y a des vagues qui viennent puis que toi, tu dois te défendre. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a jamais de PVP. Mais c'est ça, mais là, il y en a. Ouais, mais c'est juste que je comprends pas. Je vois pas Fortnite faire fureur avec un mode PVP comme. Mais ça fait fureur justement. Ça fait fureur justement parce qu'ils ont gardé le même principe que tu dois construire. Genre, c'est comme, hein? Mais tu ramasses des armes. À la place de ramasser des schémas. Tu contre les autres. C'est un fucking battle right. C'est ouais. Ah oh ouais. Du PVP, bro. Va checker, Google-le, man. Va checker sur YouTube. Je sais pas si c'est sorti ou si ça va sortir. Mais c'est ça, je vais l'essayer à un moment donné. Fortnite.
PvP. Écris juste Fortnite PvP, genre, ouais, tu vas voir. Ouais, Battle Royale, il est là. Ok, t'es. Ok, ouais, c'est ça. Ben, le gars il est juste sur ordinateur. Mais le jeu il est sorti avant sur ordi, je pense. Ou il est sorti en même temps. Mais c'est un jeu fait pour l'ordi, c'est tous des jeux pour ordi. Ouais, Comme je t'avais ouais. expliqué là, Steam il en chie des jeux comme ça là. Ah ouais. Mais dans le système, il en sort, puis quand tu vas en place sur Mais Steam, c'est là que les consoles font. Oh, on va l'essayer. C'est sur ordi qu'ils font les mods. Puis après, si le mod est populaire, puis s'ils veulent, ben ils le mettent sur console. Mais là maintenant, je sais pas si t'as vu Bethesda, ils veulent vendre des mods, genre ils veulent faire comme le Uplay, genre. Mais par exemple, si tu veux sur Skyrim, tu veux que ton crabe soit rose, mais tu peux payer 50 Bethesda credits, j'imagine. Mais c'est des mods, tu payes. Puis c'est des mods, c'est censé être gratuit. Mais c'est pas la compagnie qui fait les mods, c'est du monde nowhere, genre qui utilise leur temps pour faire des mods, tu comprends? Fait que là, ils veulent payer le monde, puis là, le monde ils capotent, là, ils disent fuck Bethesda. Pour Fallout aussi, genre, si tu veux comme que ton bonhomme de Fallout soit chill ou. Des mods, genre. Des mods de skin en plus. Des mods d'affaires. Sérieusement, là, je regarde le truc, ça a l'air quand même le fun, là. Parce que ton but c'est pas vraiment de build là. C'est vraiment c'est de tuer tout le monde là. Ouais. Pis... Mais quoi que, je te dis, ça va pas sortir tout de suite en console même. Parce que faut qu'il arrange la map, faut que la map soit quand même assez grosse. Puis le gars il joue sur ordinateur donc ça va prendre du temps avant que ça. Non, je pense pas. Check la date de sortie avant de parler. Tu penses? Hein? Ils disent release soon, genre, ou si c'est pas déjà release là. Okay. La mode qui s'en vient dans pas long là. Battle Royale. Console. Ok, yo, attends, j'en viens, ok? Subtitle, s'il vous plaît. Ah.
me. What? Don't get me wrong. Decent technique on the lift. But I'd like my Ganesh back. Please. Fine. A for effort, kid. You can't go inside without removing your shoes. I know. I just wanted to look at the Wait a minute. You're not a tourist, are you? Looks okay. Hello, lady. Great prices. Thank you. We're busy here. Oh, I've already got what I need. Thanks. Do you like the CIA? Because that would be very cool. Nice job. Teri mari kuti kuti penjo. Ah, il y a des pizzas en Inde. J'imagine que oui, là. Uncharted The Lost Legacy. Shut up! Don't be stupid, lady. He's lying. Go home. Get in the truck. I mean it. Move it. Walk away. You got the wrong man. I swear to you. I said get in the truck. Now. If he moves, shoot him. If he moves, shut him down. Shut him down.
No. Shut up. Jacare. Smuggling something in here. Arms up. Hey. Dangerous to be out so late. Hey. Where do you live? What are you, deaf? Answer him! I said, where do you live? Arathazon. I'm in the middle of something. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. Understood. You, with me. Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. You heard him. Get going. Lucky for them, I've got somewhere to be. Red door. Almost. There's a couple more in the alley. Moving out tonight. Don't wait. Oh, shit. Tied up. Great timing. No. Azar says 1 week. Pink Lotus. Strategic. You've done good, brother.
said he needs more time to get there. The government will think we're a joke. They won't think that for us. Been here for a week, huh? Damn it! Wow. One was the warehouse, the other... You're in the wrong place, girl.